C'est une situation qui est extrêmement compliquée parce que annuellement, donc, au Sénégal, d'après les chiffres qui sont donnés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie, ça tourne autour de 482 morts pour l'année dernière. Mais si on corrige alors ces chiffres-là, parce qu'ici au Sénégal, on ne comptabilise que les gens qui sont morts donc, sur le coup, ça tourne autour de 4 000 morts par an, 17 000 accidents. Ça fait 47 accidents par jour, voyez-vous. Ça fait 27 000 blessés également par an. C'est beaucoup. C'est une situation donc catastrophique. La violence routière est extrêmement grave dans ce pays et je pense que quand même les autorités ont pris la mesure de la situation et certainement des mesures correctives vont y être apportées pour juguler la violence routière. Il y a d'abord ce qu'on appelle les collisions, ce sont les accidents les plus fréquents. Ensuite, il y a les accidents qui sont liés à des stationnements. Troisième catégorie également d'accidents, ce sont les chocs, par exemple les piétons qui sont heurtés, alors, etc., et les pertes de contrôle. Voilà en matière de typologie, alors, les principaux accidents que nous rencontrons ici au Sénégal. Donc, en premier lieu, les collisions. Et les premiers véhicules qui seraient concernés par ces accidents-là, ce sont les véhicules de transport en commun et les camions. Le Sénégal enregistre annuellement quelque chose comme 27 000 blessés suite à des accidents de la route. Et d'après les statistiques qui sont utilisées en accidentologie, 20% de ces blessés-là meurent. Parce que, comme je l'ai indiqué tantôt, ici, on ne comptabilise que les gens qui sont morts sur le coup. Et ce qui fait qu'assez souvent, donc, ces blessés-là décèdent, c'est un défaut de prise en charge. Premier élément d'abord, prenez la BAU, ce qu'on appelle la bande d'arrêt d'urgence. Quand les citoyens, les conducteurs roulent sur la bande d'arrêt d'urgence, il est absolument difficile, voire impossible pour les policiers, les sapeurs-pompiers, les secours, donc, de venir sur les lieux de l'accident en intenté pour pouvoir venir donc en aide à ces accidentés-là. Donc, ça, c'est un problème. Ce qui fait que les accidentés, les blessés meurent le plus souvent. Ensuite, il y a un problème de prise en charge d'assurance. Tous ces facteurs-là conjugués font qu'assez souvent, les blessés, comme je l'ai indiqué tantôt, 20% d'entre eux meurent suite à cet accident-là. Les responsabilités sont partagées. Le premier facteur, donc, à l'origine des accidents, c'est l'être humain. C'est l'homme qui est responsable de 90% des accidents. Et cette responsabilité humaine-là peut être éclatée en quatre catégories. La première catégorie se trouve être les erreurs de concept de perception. Ça veut dire que l'individu a mal apprécié la situation. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur humain, ce sont des fautes dans la manœuvre. Il a mal entamé donc, un virage, il a freiné là où il ne devait pas freiner, il a accéléré là où il ne devait pas accélérer. Donc, ça, c'est une erreur de conduite. Troisième facteur humain aussi, c'est l'incapacité momentanée. L'incapacité momentanée peut être liée, par exemple, à la fatigue, à l'alcool, aux drogues, aux médicaments et ensuite au sommeil. Parce que quand vous avez conduit un véhicule sur 8 heures de temps, d'après les études, vous aurez au moins dormi 12 minutes. Et voyez-vous, dormir 12 minutes sur une voie de circulation, c'est particulièrement mortel. Donc, le facteur humain, ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément qui intervient dans le facteur humain, c'est l'incapacité totale. Ça veut dire que celui-là, qui se trouve être donc devant le volant, n'a pas du tout les compétences, les performances nécessaires pour conduire exactement et comme il le faut un véhicule. Parce que conduire un véhicule, ce n'est pas uniquement déplacer ce véhicule-là d'un point A à un point B. Donc, voilà pour ce qui concerne les facteurs humains qui sont à l'origine de 90%. Il y a ensuite le facteur véhicule qui intervient alors pour 3%. Le facteur véhicule, 7% plutôt, le facteur véhicule intervient pour 7% parce que souvent, c'est un véhicule qui n'a pas fait la visite technique. Ici au Sénégal, on estime à 53% les véhicules qui n'ont pas fait donc la visite technique et plus de la moitié d'entre eux échouent lors de la visite technique. Ça, c'est un facteur qui intervient dans l'élément déterminant pour le véhicule. Il y a ensuite ce qu'on appelle les véhicules qui sont vieux. Ici au Sénégal, nous avons un parc automobile qui a un âge de 20 ans. Et 20 ans, c'est beaucoup. Et voyez-vous, il y a des véhicules de 70 ans qui circulent au Sénégal. Mais oui! Ça aussi, c'est un autre problème qui intervient dans le facteur explicatif pour ce qui concerne les véhicules. Le dernier élément, donc, c'est la route.
Bon, nous avons des routes quand même qui sont aux normes, hein, parce que nous avons 6 000 km de routes revêtues au Sénégal, des routes donc toutes neuves, 274 km à leur retour, mais il faut se dire qu'aussi parfois, la route peut avoir souvent des défauts, par exemple dans la conception, un problème de lisibilité, un problème donc d'entretien, de signalisation horizontale, de signalisation verticale. J'ai parlé tantôt de conception, parce qu'une bonne route, elle doit permettre quand même ce qu'on appelle des routes qui pardonnent. Quand le chauffeur, le conducteur, comme il faut, sort de la voie, il doit y avoir des accotements qui lui permettront alors de récupérer, de rattraper sur sa faute-là. Quand la route également est particulièrement étroite, prenez par exemple l'axe, le corridor Dakar-Bamako, c'est l'axe le plus mortel au Sénégal, avec 46% des accidents mortels. Quand vous voyez, vous vous rendez compte que la route-là est particulièrement étroite, la chaussée est très très étroite, la surface de récupération donc est assez faible, il y a des arbres qui bordent la chaussée. Ce qui fait que, alors, assez souvent, quand il y a des fautes, quand il y a des accidents, nécessairement, il y a beaucoup de morts. Donc, tous ces éléments-là, donc, conjugués, font que, alors, les accidents de la route, alors, sont particulièrement nombreux dans ce pays. Ensuite, un dernier élément aussi, on ne peut pas occulter la responsabilité de l'État, malgré les efforts monumentaux qui ont été faits par les pouvoirs publics depuis les indépendances, alors, à maintenant. Parce que, en dernier ressort, c'est l'État qui a en charge la sécurité routière dans le pays. Et à cet effet, il doit quand même conduire une politique routière, je ne dis pas zéro mort, mais qui va réduire les accidents de la route à leur suffisamment. Or, sur le plan économique, c'est 2% du produit intérieur brut, c'est 163 milliards de coûts au Sénégal. Les assurances remboursent pour 12 milliards de francs CFA par an. Et maintenant, sur le plan social aussi, c'est un drame. Parce qu'un accident de la route, ce n'est pas uniquement des morts, ce n'est pas des blessés uniquement, mais c'est des familles qui sont brisées. Un père de famille, alors une mère de famille qui meurt suite à un accident, ses enfants, il va se poser donc un problème de prise en charge à ce niveau. Pour les blessés, assez souvent, il y a certaines blessures, si vous les avez, peut-être l'entreprise qui vous recrute va vous licencier. Ça aussi, donc, c'est un problème. Les enfants qui auront perdu leurs parents aussi seront dans des difficultés pour le logement, pour la restauration, pour l'habillement, pour la scolarité. Tout ça, donc, c'est des drames sociaux qui se cachent derrière les accidents.